Imaginez que votre meilleur ami est à la fois votre pire ennemi. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Deux colocataires, deux personnalités aux antipodes. Un combat sans merci, une lutte pour l'honneur et pour éviter la claque finale. Frank versus Girard. Le défi cette semaine, qui peut avoir sa photo dans le journal? Non, dans le journal, ça peut être, tu sais, dans une revue, dans une brochure, dans un publisac. Ça serait bon, toi, dans un publisac, je verrais là-dedans. Dans la presse écrite. Alors, on a 3 jours pour faire nos démarches, et puis 2 semaines pour vérifier si ça a bel et bien fonctionné. Au cas où on réussit tous les deux. T'es un petit mess, mon Gérard! Au cas où on réussit tous les deux, un expert neutre va vérifier lequel a eu le plus d'impact. Jean, bonne chance. Bon travail. Avoir sa photo dans le journal, oui, mais pas à n'importe quel prix. Au-delà du défi, je veux que ça serve à quelque chose. Manifester, dénoncer ça, ça attire l'attention. Je vais remporter le défi en appuyant une cause. Cette semaine, je vais pas faire les choses à moitié. Non seulement je vais surprendre Girard, mais je vais surprendre aussi tout le monde avec mon CDMM, soit le coup d'éclat médiatique majeur. Ça va bien? Très bien toi-même? Oui, merci. Salut, hey, j'aurais besoin de quelque chose, de me faire bronzer, quelque chose de fort. OK. T'as-tu besoin des lunettes de protection? Sûrement. Faut-tu avoir ça? Moi, je te le conseille. OK. Donc, t'as juste à te déshabiller. Tu peux garder soit tes sous-vêtements ou te mettre complètement nu. OK. Lorsque t'es prêt. Qu'est-ce qui est le mieux selon toi? Moi, je te dis de te mettre nu. Regarde. Par souci de transparence, j'ai décidé de placer un micro. Ici, pour que vous puissiez entendre la conversation que j'ai à avoir sur le téléphone. Avec moi, il n'y en a pas de secret. Pas de secret. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle parce que j'aimerais offrir un don à votre organisme. Oui, un don par chèque ou... Oui, c'est ça exactement, par chèque. En fait, oui, c'est ça, le chèque même est déjà prêt. Il manque plus qu'à mettre la date. Et puis, à quoi on a droit quand on fait un don comme ça? Est-ce que y a, par exemple, un reçu pour fin d'impôt? Oui, un reçu pour fin d'impôt. Pour 30, là, ou même, voire 35 $, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir comme une photo dans une de vos publications? Une photo? Oui,└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└││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 └││││││││└└││└││└││└││││││└└└└└└││└└└││││└└││││││││└││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 └└└││││││││││└└��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 └��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 └��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 └��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 └������������������└������������������└������������└������└└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 └��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 �
Vous n'avez pas de journal. Vous n'avez pas de... Il n'y a rien. Pas un... les employés n'ont pas de... Monsieur, si vous êtes agressif, là, je ne sais pas pourquoi vous nous appelez. Vous avez choisi notre fondation. Salut, François. Salut, Pascal. Pascal, enchanté. Qu'est-ce que tu fais avec ça aujourd'hui, toi? Ouais, c'est ça, là. Ça fait chier les mouilles, mais... Je vais faire un espèce de gros rond pour... En fait, comme si des ovnis venaient, là. C'est que j'essaie de monter un coup en affaire pour que je veux que les ovnis... Ça ait l'air d'un site où des ovnis ont atterri. OK. En tout cas, je sais pas si ça va marcher, mais... Hier, je me suis fait faire un tatou. Tu vois-tu un peu? Ouais. Ici, tu vois? Ouais. C'est ça, c'est comme les ovnis. OK. Les extraterrestres qui m'ont fait passer. Je suis ici aujourd'hui à l'Hôtel de Ville avec les échevins, les députés, les maires, les mairesses pour défendre une cause. Je suis ici aujourd'hui parce qu'à Montréal, actuellement, on vit une situation qui est révoltante. On manque d'espace vert et on va régler ça aujourd'hui. J'ai fait des téléphones, j'ai appelé une quinzaine de médias de tous les horizons. La photo, les amis, là, je pense que ça va très, très bien aller. Madame, est-ce que vous travaillez ici? Je voulais juste... Est-ce que vous pourriez me prendre en photo? Je fais une manifestation pour qu'il n'y ait plus d'espace vert à Montréal. Je vais voter pour vous aux prochaines élections. Merci, madame. Merci. Solidarité. Merci. C'est ça, là, je réalise que c'est pas la bonne entrée. Les gens doivent m'attendre plutôt en avant. Les journalistes vont être plutôt à l'intérieur. Expliquez poliment à l'intérieur qu'il y a une procédure à suivre avec pour rencontrer quelqu'un. Là, j'ai un numéro de téléphone. C'est le communiqué de presse que j'ai envoyé aux médias. Donc, ça commence avec un gros titre frappant. Phénomène inexpliqué près du Mont-Saint-Bruno. Aux gens des médias, blablabla, bla, bla, vous pouvez me rejoindre, tout ça. Merci de votre attention, François Bernier. On va rencontrer M. Éric Trottier du journal La Presse, le directeur de l'information. Alors, je pense que... La journée d'hier porte fruit, hein? Quand on sème en winner, on récolte en gagnant. J'ai ici une petite photo de quelqu'un qui manifeste devant l'Hôtel de Ville. Je sais pas si ça pourrait l'intéresser. Yes! Bonjour, je cherche le bureau d'Éric Trottier. Troisième bureau sur votre gauche. Troisième bureau? Ouais. Parfait, merci. Bonjour. Est-ce que vous êtes Éric Trottier? Oui. Bonjour, je suis Guillaume Girard. Bonjour, M. Girard. Je viens parce que... vous pouvez vous asseoir. Je viens parce que... Ben d'abord, je voudrais... Veux-tu qu'on aille s'asseoir à table ici, là? Oui, c'est ça. Tranquille.
Je pense que j'ai quelque chose pour vous, M. Trottier. J'ai manifesté devant l'Hôtel de Ville pour qu'il y ait plus d'espace vert à Montréal. D'abord parce que c'est une situation qui est alarmante. Et puis, je pense qu'il faut que les gens soient conscients de ce qui se vit au niveau des espaces verts à Montréal actuellement. Vous pourriez peut-être diffuser cette photo-là dans votre journal. Ah, c'est une belle photo. Puis je me disais peut-être si vous pouviez mettre ça là, sur la page couverture, bien, peut-être que ça aiderait les gens juste à se conscientiser un petit peu avec toutes les voitures hybrides maintenant. Là. Tout l'accroissement de l'essence, le prix de l'essence. Ouais. Mais qui écrirait l'article? Ah, j'aurais juste mis, moi, peut-être, conscientisez-vous, soyez plus conscient, ou il faut savoir ce qu'on a. Ouais, c'est une bonne idée, mais malheureusement, je pense que ça marche pas. OK. Vous avez une chronique, séparant la naissance pour les sosies? Ouais. Des sosies de qui? Tom Hanks? Tom Hanks? Run, Forrest! Forrest! Forrest, run! Pas sûr. Pas sûr encore. Va falloir que tu travailles plus fort que ça. Suite à mon courriel de phénomène inexpliqué, j'ai reçu déjà l'appel de 5 journalistes qui sont intéressés par cette histoire. Denis Boily pour Québec Ufologie. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à M. Boily, s'il vous plaît? Moi-même. Oui, François Bernier. Oui, bonjour, François. Oui, c'est ça. Je vous ai envoyé un courriel vendredi. C'est un cercle que... Oui, c'est un gros cercle. Un cercle de quoi? 25, 30, 40, 200 pieds? 30 pieds, au moins 30, 40 pieds. Des petits ovnis, là. Des petits ovnis, c'est entre 30 et 40 pieds, tu sais. OK, vous me dites, ça sera peut-être un petit ovni. J'ai tellement peur. La terre a tremblé. Ah oui? T'as pas été enlevé, là. Je sais pas, je vais pas avoir été enlevé. Est-ce que vous allez pouvoir être là demain en fin d'avant-midi? Oui, je vais prendre un échantillon de terrain. Et puis, moi, est-ce que vous allez amener un photographe ou... Non, c'est nous qui prenons des photographies. C'est vous qui photographiez? Merci. Au revoir. Ça va très bien. Ça se passe très bien. Monsieur Boily va être là demain. Il va prendre des échantillons parce qu'il faut faire attention, c'est très radioactif. Je retourne sur mon site. Il pleut toujours. Et puis c'est ça, je m'avais rencontré un journaliste local et Monsieur Boily. Je me promenais ici sur la route. Je revenais, j'ai un ami qui a un chalet plus loin. Puis ici, il y avait une très, très grosse lumière qui jaillissait du sol avec toujours le vrombissement. Et puis là, bien évidemment, ça m'a fait extrêmement peur. Et puis j'ai eu une espèce de douleur à l'abdomen. Une pression? Oui. Je suis revenu le lendemain parce que j'avais cette chaleur-là encore sur la poitrine. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez un peu, mais c'était très rouge, là. C'est de moins en moins rouge, mais... J'ai comme pas le choix de vous poser la question, mais bon, vous étiez au chalet de votre ami. Est-ce que vous aviez consommé? Est-ce que vous aviez bu de l'alcool? Est-ce que... Non. Non, 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 non. Non, non, non. Voulez-vous que je montre... C'est peut-être que... Je sais pas trop. Est-ce que vous allez écrire quelque chose? On va écrire un petit affaire, ouais, un petit texte, un peu. OK. C'est ça, en tout cas, j'apprécie vraiment que tu aies accepté mon offre. Là, je sais que c'est un peu bizarre que je t'aie appelé au téléphone comme ça chez vous. Puis... Mais non, ben, je donne mon numéro dans le bottle IDEA, c'est pour qu'on puisse me joindre facilement. Là, c'est correct. OK, en tout cas, c'est bien sympathique. Là. Est-ce que... C'est ton premier tapis rouge. Oui. C'est ton premier tapis rouge. J'ai quand même quelques règles à respecter okay. Sur le tapis rouge. Oui. Tu vas être pris en photo parce que c'est ça le but. Oui. Bon, d'abord, faut pas arriver trop tôt parce que ça fait un petit peu loser. Faut pas que tu aies l'air désespéré parce que si tu cherches trop les Kodak, c'est pas bon. Non, non, non. Fait qu'il faut vraiment. Bonjour François Bernier. Bonjour François. C'est par le téléphone hier. Denis Boily de l'Association québécoise d'ufologie. Merci d'être là. Vous avez été d'un grand réconfort hier. Ben, alors, c'est... Alors, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez là, le rond.
J'ai l'impression que c'est ici là, que ça s'est posé. Je peux aller voir? Ah oui, oui, il n'y a pas vous de problème. Approchez, oui. Donc, vous voulez prendre une photo? François. Quoi? Un beau rond. Un beau rond octogonal. Oui, est-ce que vous allez prendre une photo? Ah non. Oui, je vais prendre une photo, mais déjà au départ, là, j'y crois pas. Non? Non, non, non. Ça, c'était un coup monté, c'était un canular. On a perdu un photographe, ça va pas très bien. OK, à date, ça se passe pas très bien. Il y a un photographe qui a abandonné sur nous autres. Je sais pas. Ça va vraiment très mal. C'est par là que ça se passe. Il y a rien, il y a personne. Essayez, on l'a remis. Bonjour, Marie, ça va? Allô, oui, ça va bien? Vous êtes sur la toile de la semaine pour des nouvelles photos. Ben, ça va me faire plaisir, toute seule. Ben, vous êtes accompagnée de? De Guillaume. Gérard, je suis l'acteur, en fait. Ah, ben oui, OK. Voilà. Oui, parti. J'ai peut-être besoin d'une petite retouche parce que je me suis mis quelque chose de très léger avant de partir. On s'est quand même fait bypasser par un chien, tu sais. À date, le chien est plus populaire que nous autres. Est-ce que ça me surprend vraiment? Je dirais oui puis non. Peut-être que je peux faire ça aussi. Guillaume, assis, couché, roule, roule. Ouais. Mais à date, il est clairement plus adroit que moi dans la situation. Là, c'est super bon signe parce qu'il m'a pas pris une photo tout seul. Ouais, ouais. Fait que c'est pas mal, moi, je te dirais à 80% que cette photo-là va être plus bien. Regarde. François, un beau rond. Un vrai cercle, 360 degrés. Mais est-ce que c'est vraiment ronde, ce couple, là? Il faut qu'elle soit ronde. Ah, ben, j'ai pas de cours à te donner, François, mais c'est toi qui le sais, là. OK, bon. OK, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ça, c'est un coup monté, mais je voulais avoir un peu d'attention. J'aurais aimé ça qu'on me photographie. Ah oui? Tu savais des ovnis pour avoir passé dans les journaux, dans les médias? Ben oui. Ah bon. Pour avoir ma photo. On a beaucoup de cas, de faux cas. Donc, ben justement, servez-vous de mon cas pour montrer aux gens qu'on peut pas vous berner. Ben, de l'attention, on va t'en donner. Là, je prends une photo de ton estomac. Une photo de ton... Vas-y dans ton... Je peux? Dans ton sac de radiation, vas-y. Tiens, on va t'en donner de l'attention, là. On est ces lieux. Ça va? Oui, toi? Oui! Martine, tu veux t'enferrer avec Guillaume et moi? Bonjour. Ah oui. C'est yes, mais avec les paroles d'Au Canada. Tu trouves, je suis son ami Guillaume, je suis un acteur. OK, c'est beau. Trois fois, les amis. Strike three. Merci. OK, fait que c'est tout, hein? C'est ça. C'est OK. Salut, c'est... là. Salut. Je pense qu'elle a bien trippé, là. Je suis assez content. Merci beaucoup, M. Boily. Je suis encore désolé. Ben, coudon, c'est pas si mal que ça, là. On va la mettre sur notre site bientôt. La photo? La photo du cercle, ton faux cercle. Oh. OK. Une photo de vous dans les médias imprimés à l'intérieur d'une période de 2 semaines. À titre d'expert média, on m'a demandé d'évaluer la qualité des journaux ou publications dans lesquels vos photos ont paru. Alors, j'ai fait une évaluation. Dans le cas de Frank, c'était une annonce dans la chronique nécrologique de la presse. Une idée intéressante. On sait que la presse tire environ à 205 000 copies en semaine. Alors, c'est bon. C'est un journal reconnu. Il y avait aussi un article Internet. Malheureusement, l'Internet est considéré différent des médias imprimés. Alors, je ne peux pas en tenir compte. Désolée. Mais une belle photo, quand même, il faut l'avouer. Oui, d'accord. Pour Guillaume, il a fait publier sa photo dans les deux revues, Le Séjour et
La semaine, dans le cadre du lancement du film Le Guide de la Petite Vengeance, une photo de lui en quatre couleurs, accompagnée de Marie Plourde. C'est intéressant, d'autant plus que le tirage combiné des deux publications est autour de 210 000 copies. Alors, normalement, Guillaume gagnerait le défi. Par contre, les photos ont été publiées 17 jours après, ce qui signifie qu'il est malheureusement éliminé. Et je remets, c'est Frank qui gagne. 17 jours! Merci. Non, ça va, tout est très clair. Merci. Merci, merci, Gérard. Pardon, je viens parce que j'aimerais ça vous présenter une chorégraphie pour le... Ça sera très court, ça sera vraiment pas long, je veux vraiment pas vous déranger. Juste pour gagner du temps, ça sera vraiment allez-y. Pas très long. Merci. Allez, fille, on prend un petit cours, on va s'étirer. Tu danses bien, Guillaume. Hey! Tu vas pas t'en aller de même, t'es pas charmé. Mais non, je sortirai pas de même dans la rue. Seulement, je manifeste pour qu'il n'y ait plus d'espace vert à Montréal. Est-ce que je bénéficie de votre appui quand même? Il y a tout le monde. Fais pas preuve de la même dose d'intégrité, hein? Regarde, François. Une pâte de piété. Ah, j'ai pas vu celle-là. Une pâte de piété.